Attention les cassations, on va essayer de faire ça. Il faut tout faire parce que là ça va être 5 tours. Et Julien Pelot qui a le réflexe dernier en première manche s'est fait détrôner dans le premier tour. Ah, je vous disais, c'est un pilote qui depuis le début de la saison souffre de très très belles performances. Il a remporté 2 épreuves sur 3. Et là, je vous disais, en partant en tête tout à l'heure, il allait l'emporter. Et bien non, c'est le premier match. Le souverain, Tim Bonnet. Il est en troisième position et ces trois-là sont en train de se tirer la lourde avec ces trois pilotes de long, mais regardez derrière le courant, là, les courants du fort. Ils sont collés en basket, ils sont tendus par le numéro 7, Pierre-Ange de Masson, suivi de Julien Godot et puis de justement le vainqueur de la première manche, tout le monde. Il reste encore 3 tours. Regardez-moi ça, il ne lâche rien, ils sont confus, ils sont fous. Ils sont collés, on va dire. À quelques millimètres, plus de 100 millimètres, les modules changent de trajectoire, ils abordent des virages tout en glissant. Et en prenant des risques, mais bien sûr qu'ils ne sont pas des risques, c'est surtout de la grosse maîtrise avec pour l'instant Pierre-Ange qui un petit avantage de quelques longueurs pour le numéro 7. Attention d'ailleurs, il y a une ombre qui me poursuit. Il me poursuit très bien, le numéro 53, Julien Benoît qui est en embuscade. Il est maintenant, j'ai l'impression qu'il commence à devenir dangereux. Il commence à devenir dangereux, numéro 53. Et dans son dernier tour, que l'on va observer le 13 d'avril, en prochain 30 jours, qui sont devant le numéro 753 et le 94. Le 94 qui a remporté la première ronde. C'est tout bien, Julien, attention. Mais il reste au contact quand même. Et c'est plus qu'au contact du 1703. Dans ces 200 derniers mètres de cette deuxième manche. Et à tout le Julien qui tente à l'extérieur. Voilà, on glisse, on passe, on reste encore sur le terrain. Avec une nouvelle victoire, un nouveau champion de leader, une victoire pour Pierre-Ange Le Masson. Voilà, que ça a été chaud, que ça a été chaud. Deuxième place pour le numéro 53 pour Julien Godot.